c'est Minecraft sans texture. Ça avec un niveau de réalisme, là avec deux niveaux et là avec... Aujourd'hui, il n'y a pas que le jeu qui va devenir réaliste à notre mort, et aussi tous les autres aspects du jeu qui vont devenir hyper réalistes à chaque fois qu'on va mourir. Avant tout ça, on commence par le premier niveau. Ok, et on vient d'arriver dans le monde Minecraft. Non mais alors attendez, parce que là forcément comme c'est le début, bah j'ai encore aucune mort. Mais là il y a vraiment genre aucun réalisme, enfin il y a carrément aucune texture, il y a rien du tout. Bon, vous savez quoi, directement je vais tenter d'avoir ma première mort. Donc là si j'écoute le bruit, je crois que je récupère de la pierre. J'ai même pas d'inventaire, j'ai absolument rien. Là, il faut vraiment vite que je meure, hein. Ok, là si j'en crois mon inventaire, j'ai 25 blocs. Donc il va falloir que je fasse une tour. Il y a des trucs qui me bloquent, c'est quoi là? Ok, je crois que c'est des feuilles qui me bloquent, au vu du son. Ok, là je devrais grimper assez haut. Allez, s'il te plaît, ma première mort, yes. Ah ah, ok. Bah là déjà je vois un petit peu mieux le monde. Bon, c'est clairement pas le niveau de réalisme qu'on atteindra à la fin de la vidéo, mais là déjà c'est un petit peu mieux que le pack d'avant. Je peux voir juste là un petit portail. Normalement là il y a des coffres dans les portails. Oh, mais attendez, mais je comprends strictement rien à ce que je récupère. Je crois que j'ai des pioches ou un truc comme ça. Mais écoutez, vous savez quoi, le mieux c'est de commencer à récupérer du bois. Ah non mais attendez, ça c'est pas du bois, ça c'est ma tour. Non, c'est là le bois. Sauf que quand faut le voir, ça doit faire une bonne minute que j'essaye de miner ce bloc et il veut pas se miner. Et bah c'est parce qu'on n'a pas encore assez de niveau de réalisme. Et bah c'est parce qu'on peut plus le miner normalement à la main, parce que le niveau de réalisme a déjà commencé à augmenter. Du coup, pour récupérer nos premiers arbres, il va falloir qu'on se fasse une scie. Alors pour ça, vous pouvez le voir, il y a des petits cailloux, bah très peu réalistes aussi, qui sont au sol. Et il faut que j'en récupère pas mal. Et une fois que j'en ai récupéré assez, et bah ces cailloux là, il va falloir que je les casse contre de la pierre. Et comme vous pouvez le voir, voilà, on récupère des petits bouts de flint. Et ces bouts de flint, on va pouvoir en faire, hop, un petit couteau. Et maintenant, attention, ce petit couteau, hop, il va me permettre, si j'ai un petit peu de chance, de récupérer de la fibre de plante quand je casse de l'herbe. Et en gros, dès que j'en ai assez comme ça, et bah boum, je peux me faire, hop, des petites ficelles. Et maintenant, regardez-moi ça avec les ficelles. Hop, deux petits bâtons qu'on a un petit peu du mal à reconnaître. Et bah, j'ai un morceau de scie. Et maintenant, je me fais ce qui va couper le bois. Et là, enfin, on peut tout assembler et boum, j'ai une scie. Et là, regardez-moi ça. Non, attendez, je crois que je me suis trompé d'outil. Et en plus, là, c'est la nuit. Oh là là, attendez, attendez. Je veux pas. Non, 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 je veux pas. Ah, je veux pas mourir une deuxième fois avant d'avoir récupéré au moins un premier bout de bois quand même. Ok, attendez, parce qu'en fait, je crois qu'une hache, c'est encore plus simple. Il faut juste un bâton, une pierre, hop, une petite ficelle. Et voilà. Et là, j'ai ma petite hache rudimentaire. Oh là là, yes. Et par contre, maintenant, ma scie, regardez-moi ça. Voilà, elle me sert à avoir des planches. Et n'empêche, ça va pas être facile cette vidéo. Et en plus, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, le réalisme va vraiment faire ça. Ok, bon, du coup, j'ai mes premières planches de bois. Je peux enfin faire ma table de craft et je peux enfin faire mes vrais premiers outils. Non, mais regardez à quoi est-ce qu'il ressemble. Ça, il faut que vous deviniez que c'est une hache. Si je vous le dis pas, c'est impossible à deviner. Et regardez la tête des mobs. Ça, c'est quoi? Attends, ça, c'est un zombie. Ça, c'est sûr, c'est un zombie. Ok, il m'a droppé. Oh, il m'a droppé une carotte. Bon, là, pour le coup, j'ai eu de la chance. Je vais la manger parce que j'ai plus beaucoup de bouffe. Ah ouais, non, mais je me fais attaquer. Non, mais là, c'est sûr que je vais mourir. Non, en vrai, tu sais quoi, tue-moi. Je veux augmenter le réalisme. Allez, allez, c'est parti, mon petit gars. Donne tout ce que t'as. Let's go. Oh, mais attendez, là, le niveau de réalisme en plus, eh, déjà, je kiffe. Oh, pop, pop. Non, j'avais trop ce réalisme. Bon, et bah, je suis absolument dégoûtée. Et oh, mais c'est le look comme dans les trailers de Minecraft. Ah non, mais alors là, c'est trop stylé. Bon, par contre, il faut que j'aille récupérer mon stuff. Là, c'est des textures que, ok, je reconnais un petit peu plus. Ah, attendez, du coup, oh, on avait deux pioches. On a une hache, on a une boule de feu. On a de quoi se faire un petit peu de fer aussi. Ok, bah, le mieux, c'est tenter d'aller récupérer un petit peu de stuff parce que je veux qu'à la fin de la vidéo, on aille voir le méga dragon ultra réaliste. Et par contre, non, alors, je veux pas encore mourir maintenant. Là, j'aime trop le niveau de réalisme qu'on a. Voilà, donc toi tu meurs. Et en vrai, ce qu'il faut que je fasse pour pas qu'on meure, je pense c'est un petit four. Et boum, on va mettre notre bouffe à chauffer. Non, oh, j'aurais jamais dû faire cuire ma hache. Oh, je suis débile. Bon, et bah du coup, moi, il faut que je me refasse une petite hache. Ok, bon, voilà. Cette fois-ci, je fais pas. Oh, par contre, il commence à pleuvoir. C'est ok pour maintenant, mais il faudrait que je fasse gaffe parce que plus tard dans la vidéo, on pourra potentiellement avoir des catastrophes naturelles, genre des tsunamis ou des tempêtes si on n'a pas de chance. Allez, hop. Cette fois-ci, je refais pas l'immense bêtise. Et voilà. Ah oui, et d'ailleurs, il faut aussi qu'on aille en grotte se faire un bon stuff parce que quand on ira affronter le dragon réaliste, et bah si je meurs pendant ce combat, bah au bout d'un moment mon PC il pourra plus supporter le niveau de réalisme et donc ce sera la fin de mon jeu, on pourra plus jouer. Donc oui, il faut vraiment que j'ai un bon stuff, il faut vraiment que je sois préparé. Hop, toi tu crèves, allez. Oh, un biome cerisier. Oh, c'est trop stylé. Oh bah tiens, mais on a aussi une tour de pierre. Oh là là, alors là, écoutez, vous savez quoi, j'ai envie d'aller m'y frotter mais je sens que c'est risqué, à tout moment je peux mourir. Attends, il y a pas un golem dans ces cages? Si, il y a un golem. Je vais le libérer pour qu'il m'aide. Faut juste pas que je frappe le golem. Allez, allez mon petit gars. Oui, ok, il commence à les frapper. Yes, me frappe pas,
moi, me frappe pas. Ok, c'est bon, c'est bon. Voilà, là, il les monte en l'air, parfait. Ah mais n'empêche, regardez comment est-ce que le jeu, il est trop beau. Et en fait, je me crois vraiment dans le trailer de Minecraft, là. Oh là 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 là, oh là là, il y en a tout plein. Non, 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 les gars, laissez-moi tranquille. Ok, faut que j'aille voir ce qu'il y a au-dessus de tout. Peut-être qu'il y a des trucs qui seront vraiment bien pour contre le dragon réaliste. Ok, bon, un peu de fer, un peu de bois. Ok, le bois, c'est cool. Des trims, je suis désolée, j'en ai rien à faire. Et oh, on a un arc. Allez-y, allez hop. Non, 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 non. Oh, c'était pas prévu, je voulais pas tomber. Ma bouffe. Oh merde, oh merde, oh merde. Vite, vite, vite. Il faut que je me fasse du pain, il faut que je me fasse de la bouffe. Ok, le golem vient me sauver, oui. Ok, je suis désolée poteau, tu m'as aidé tout le long. Mais je dois un petit peu commettre un meurtre. Il me faut du fer. Ok, essaie de faire, il était généreux. Et je crois qu'il y a encore un autre golem par là-bas. Ah non, c'est des alleilles. Ah ouais, il n'y a personne d'autre. Ouah, ils sont tout pleins, ils sont tout pleins. Ok, je me barre. Allez, donnez-moi une grotte. N'importe quoi, je prends, franchement. Oh, attendez, il y a un Enderman. Eh, ça va être très bien pour l'end. Alors, j'ai essayé une petite folie, mais au cas où, je vais me mettre un lit à côté. Hop, allez. T'es sur un malentendu, peut-être que. Ok, ok, pour l'instant, je suis pas en danger de mort. Oh merde, ok. Oh yes. Eh bah tiens, parfait. Juste là, on a du charbon. Bon, et ça tombe bien parce qu'on va avoir besoin de torches. Et étant donné que le réalisme augmenté, bah ça va être des torches assez particulières. Car normalement, il faut qu'on fasse des torches de base. Sauf que voilà, on va avoir des torches éteintes. Ensuite, il nous faut un petit peu de papier. Perfecto, il y en a juste ici. Et maintenant, on assemble le tout. Donc là, on fait la petite boîte d'allumettes. Et boum, oh là là, torche réaliste. Et oula, oh, comme on a fait un truc réaliste en plus, et bah du coup, le réalisme du jeu aussi augmenté. Et ça, c'est trop bon à savoir. Regardez, bon, j'ai pas non plus entièrement changé de niveau de réalisme. Parce que je suis pas morte. Mais regardez comment le jeu, il est trop beau. Regardez les Enderman. Oh, oh merde. Bah oui, non. Oh là là, oh là là. Oh non, j'aurais pas dû te regarder dans les yeux. Attends, faut vite que je dorme un coup. Oh, il y a du fer. Oh, c'est trop bien. Mais je vais mourir quand même. Allez, dis-moi que je meurs pas. Allez. Oh, ok, c'est passé. Et j'ai une deuxième Enderpearl. Bon, par contre, ma hache, elle est carrément cassée et tout. Mais au moins, j'ai trouvé du fer dans mon malheur. Oh non, je peux pas le casser comme ça. Ok, bon, allez, hop. Une meilleure hache. On se fait une pioche. J'aime faire un briquet aussi pour aller bientôt dans le nether. Et voilà, on est pas mal. Voilà, là maintenant, je peux tout ramasser. Et oh, j'ai l'impression qu'on a une grotte qui descend pas mal. Oh là là, eh, le jeu, il est vraiment tellement stylé. Limite, j'ai hâte de mourir pour augmenter encore le réalisme. Mais en vrai, c'est sûr que ça va arriver dans les grottes. J'ai malheureusement aucun doute. Ah, mais regardez-moi tous ces petits minerais qui brillent. Waouh, c'est trop classe. Mais même la grotte, on dirait, elle est réaliste. Elle est refaite. On dirait que c'est quelqu'un qui l'a creusée à la main. Bon, je me refais des torches réalistes. Eh, c'est limite un petit peu relou d'avoir autant de réalisme là. C'est quand même plus simple de base dans Minecraft. D'ailleurs, voilà, j'ai tout pile assez de fer pour me faire un full stuff fer. Et je vais... Oh, j'entends un Enderman. Attendez, hop, je vais dormir un coup. Et il faut que je trouve l'Enderman. Il me faut une perle en plus. J'attends au-dessus, là. C'est sûr, il est là-haut. Ah, le voilà. Oh là là, non, 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 non. Non. Par contre, attendez, comme on a augmenté de niveau de réalisme, maintenant je garde mon stuff, yes. Eh, j'ai trop hâte d'être à la fin de la vidéo, c'est une dinguerie. Ok, bon, attendez, du coup, je vais me crafter là un petit peu de stuff. Oh là là, non mais j'ai équipé d'armure de chevalier carrément, tellement c'est stylé. Et je crois que d'ailleurs, il y a d'autres aspects du jeu aussi qui ont changé et qui sont devenus plus réalistes. Mais ça, je crois qu'il va falloir un petit peu qu'on avance dans l'aventure pour le découvrir. Mais attendez, carrément, regardez, je suis incapable de dire c'est quoi là. Là, j'aurais été incapable de dire que ça maintenant, c'est un œil d'araignée. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du mouton cuir. Incroyable. Matez-moi la dégaine de chevalier que j'ai là. Oui, Perceval, j'arrive à la rescousse de l'armée royale. Hop, je vais aussi me faire un saut. Oh non mais... Oh, regardez comment est-ce qu'il est trop stylé le saut. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner rempli. Mais aussi, ce que j'ai trop hâte de voir, c'est que là, regardez, ça c'est le cuivre. Ça c'était le fer. Mais du coup, je me demande, ça va être quoi le diamant? Genre, j'ai trop hâte de voir à quoi est-ce qu'il va ressembler. Donc en vrai, mais hé, là, ma mission personnelle avant d'aller dans le nether, c'est clairement de voir du diamant. Oh, attendez, lui, creeper. Waouh. Wesh. Oh, c'est du diamant. Ah non, attends, c'est du cuivre. Merde, je me suis fait bait. Oh, même l'explosion est... Non mais c'est trop classe. Ok, là on arrive dans des méga grottes. Oh, je vous jure sur la vie de ma mère qui m'a fait peur premier degré. Parce que je me suis retournée et j'ai vu son œil comme ça là. Ça c'est quoi là? C'est du fer ça? Ouais, ok, ça c'est du fer. Oh, la redstone. Wow, elle est trop classe. Ça c'est du... Non mais le lapis aussi. Wow. Bah alors là, j'ai... Non mais je veux voir du diamant là. Juste s'il vous plaît, montrez-moi du diamant là, j'ai qu'une hâte. Oh, je suis tombée sur un truc de sulk. Oh, et là il y a un Enderman. Mais la vie de ma mère que lui je me le fais. Alors là, on dort un coup. Oh, il est tellement flippant. Oh, et j'ose pas voir un warden. Et clairement, j'irai pas voir parce que ça me terrifie. Ah, c'est vivant là. Ah, c'est dégueu. Je me barre d'ici. Oh merde. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais ah, c'est dégueu. Non, mais y a pas de warden qui a spawn. J'entends, je l'ai pas du warden. En vrai, attendez, j'ai quand même un petit peu envie de voir à quoi il ressemble, d'hyper réaliste. Mais attends. Oh, il est terrifiant. Oh, il est dingue. Et comment il sait que je suis là? Oh là là, oh là là, oh là là. Mais alors là, je suis morte là. Ah non, mais alors là, je me barre là. Ah, oh, elle m'a fait trop peur. Faut que je me barre. Mais mon... Non, il va me tuer. Mais il va me tuer. Non, mais je suis morte. Mais je peux rien faire. Non.
Ouais, bon, je crois clairement que m'attaquer un Warden, c'était pas la meilleure des idées. Par contre, on a encore augmenté le réalisme. Non, mais là, ça devient vraiment très réaliste. Bon, par contre, mes outils, etc., eux, ils ont un petit peu perdu en réalisme. Mais franchement, non, mais là, c'est largement compensé. Et puis surtout, comme on va se rendre dans le Nether, je risque de mourir. Par contre, attendez, non, mais regardez-moi ça, la lave. Regardez sur le seau et tout, les jeux de lumière. Non, mais c'est trop stylé. Non, mais même la pierre, attendez. Waouh, comment c'est trop stylé. Attendez, il faut vraiment que je trouve du diamant. Yes! Mais j'en ai enfin trouvé! Non, bah attendez, mais c'est un vrai joyau là! Il est magnifique! Bon, il y en a qu'un seul, on pourra pas l'admirer plus longtemps. Mais par contre, depuis tout à l'heure, je vois un truc, c'est qu'il me reste plus qu'un de bouffe. Donc, juste avant d'aller dans le Nether, on va aller faire un petit tour dehors. Avec un peu de chance, on va avoir des animaux hyper réalistes. Regardez-moi ça, les arbres, ils sont tout ronds! Non, mais c'est trop classe! Alors là, le jeu, il est magnifique! Oh! Mais c'est un petit poulet noir! Mais oui! Comme le niveau de réalisme, il a augmenté, et bah il y a tous les aspects de Minecraft qui ont pris en réalisme. Par exemple, comme dans la vraie vie, tu vas voir des vaches brunes, des vaches blanches tachetées, des vaches noires. Et bah là, on va avoir pareil pour tous les animaux. Genre, ouais, regardez, là, j'ai un petit cochon qui est un petit peu noir et gris. Regardez les cerisiers, tout. Regardez-moi ça. Là, je suis tombée sur une montagne où il y a les émeraudes qui spawnent à l'intérieur. Et en effet, ça n'a pas manqué. Non, mais regardez. Je suis désolée, à chaque fois, je dis regardez, c'est trop réaliste et tout. En même temps, c'est vraiment le cas, c'est incroyable. Et oh, mais oui, regardez, il y a des mini abeilles. Dans la vraie vie, les abeilles, c'est tout petit, c'est pas des gros cubes comme ça. Oh là là, non, mais ça va être quoi? À la fin de la vidéo, ça va être magnifique. En tout cas, là, niveau bouffe, on est bon. Donc, it's nether time, comme qu'il dirait. Oh, wesh, les dripstones. Donc là, il y a une méga grotte. Par contre, faut juste que je meure pas. Oh là là, ok, non, c'est bon. Parfait, on a un lac de lave trop stylé. Non, mais les réflexions, je vais jamais m'en remettre. Hein. Bon, par contre, attention, à quoi est-ce que ça va ressembler l'obsidienne? Waouh! Ah oui, c'est magnifique. Et voilà, cette fois-ci, c'est bon. Allez, hop, voyons voir à quoi il ressemble le nether. Oh, le portail, il est classe, en tout cas. Waouh! Regardez-moi ces lianes et tout. Ah, mais la netherrack, c'est des boyaux. Oh, c'est dégueulasse. Là, waouh! Attendez, c'est du quartz. Là où il y a les minerais avec les pépites d'or. Eh, non, mais le nether, il est trop, trop classe. Et par contre, ça change pas notre objectif de base, qu'il faut que j'aille trouver une forteresse. Oh, elle est trop stylée, la netherrack. Ah oui, tiens, d'ailleurs, il me faut un petit peu de netherrack. Parce que pendant mon périple, j'ai exprès récupéré ces deux blocs pour vous montrer à quel point est-ce qu'ils sont réalistes. Et par contre, je me rends compte que je peux pas les poser là-dessus. Donc, bah voilà, vous voyez au montage à quoi est-ce que ça ressemble. Parce que quand même, je les ai pas récupérés pour rien. Bon, allez, par contre, c'est bien sympa tout ça, mais it's blaze rod time. Et boum, la dernière. Bah, toi, il y a plus qu'à aller farmer les enderperles. Je vais mourir, mais je vais mourir. Non, non, non. Bon, et bah, retour à la case départ. Ou en tout cas, retour dans l'overworld. Le niveau de réalisme a encore une fois augmenté. Non, mais alors là, les détails, c'est une dinguerie. C'est abusé. Waouh, même les animaux. Ah oui, non, mais vous avez vraiment une tronche de cake. Oh, regardez, je marche sur les plantes et elles se tordent. Attendez. Et genre, si je casse des feuilles, regardez comment ça casse l'arbre et tout. Non, mais attendez, là, c'est un truc de ouf. Regardez même comment c'est incrusté. Attendez, et le four. What? Je vois l'intérieur du four. Attendez. Là, j'ai trop de trucs à tester. Imaginons que je mets un truc à cuire, c'est quoi? Ça, c'est du charbon. Est-ce que je peux voir le truc cuire? Oh, regardez, je vois des petites flammes et tout. Et non, mais regardez la tête du steak. Mais attendez, mais même de la redstone et tout, de l'eau. Ah, oh, attendez, si je pose de l'eau, est-ce qu'elle est plus réaliste qu'avant? Oh, oh, regardez, mais c'est trop stylé. Mais attendez, mais là, l'eau, elle est magnifique. Et le feu, il fait une petite fumée au-dessus. Attendez, si je crame un arbre. Oh, hey, déjà, c'est trop stylé. Waouh, waouh, oulala, oulala. Ah oui, il y a tout qui s'effondre et tout. Mais attendez, mais les gars, mais je joue même plus à Minecraft, là. Aïe, mais c'est une dinguerie. Oh, la neige, il y a même la réflexion de la lumière, etc. Mais vous ne pouvez pas me faire croire que là, quand je regarde mon écran, c'est pas juste une vidéo sur laquelle on a mis un inventaire de Minecraft. C'est quoi ce niveau de réalisme? Mais j'ai tellement hâte de voir l'Ender Dragon. Bon, on va faire nos premiers... Waouh, c'est de Sauron, là, carrément. Bon, écoutez, là, du coup, j'ai seulement deux yeux de l'End. Donc, je vais me refaire des outils qui, par ailleurs, sont genre trop stylés encore une fois. Et je vais retourner farmer des petits Enderman. Waouh, il est dégueulasse, lui. Oh, regardez son corps, regardez son cadavre. Ah, c'est... Oh, c'est... Waouh. Bon, c'est bon, je vais vraiment farmer des Enderman, là. Bon, et bah, cette fois-ci, on a assez d'enderpearls qui sont d'ailleurs magnifiquement réalistes. On se dirige maintenant vers le Stronghold et on va enfin aller voir l'Ender Dragon réaliste. Non, mais franchement, merde, j'ai trop hâte. Non, mais attendez, me dites pas que c'est un village amélioré de Minecraft. Non, non, mais attendez. Non, mais déjà, bonjour, monsieur. C'est un village amélioré Minecraft, c'est quoi? Ça, c'est une bottle d'XP. Ouah, mais c'est trop... Mais je m'émerveille surtout. Non, mais bonjour, monsieur, vous êtes carrément un humain. Tu t'appelles Tom, t'as une famille, c'est... Oh, le pain! Ça, c'est du pain fait en France. Guette comment est-ce qu'il est réaliste et tout. Ouah. Mais regardez-moi ce village! Non, mais sérieusement, c'est trop, trop balèze. Ça, on dirait un garde de maison. Non, mais attendez, comment les trappes, elles tremblent et tout. C'est trop classe. Par contre, mon PC, il a vraiment...
vraiment vraiment du mal à supporter là toute cette agitation. Il y a des trucs dans tous les sens, ça on dirait genre la grande tour du village. Oh, et par contre c'est vraiment trop stylé, c'est super réaliste et tout ce que vous voulez. J'aimerais rester encore un petit peu plus longtemps ici, mais j'ai un dragon réaliste à aller trouver. Et surtout mon PC va finir par cramer si on augmente encore d'un niveau de réalisme. Ok, nous voici bon, enfin arrivés dans le Stronghold. Par contre, je suis suivi par une horde de silverfish réalistes. Oh, mais guettez même les animations des portes et tout. Oh, la bibliothèque. Non, mais attendez, mais le détail des livres. Regardez carrément, les livres, bah, ils sont incrustés. Oh, il y a une petite chouette. Bon, ok, bref. Oh, bah tiens, parfait, il est juste là, le portail. Et oh, la qualité du spawner. Bon, par contre, c'est pénible, voilà. Ça fait spawner tout plein de silverfish. Moi, mettez-moi juste dans l'end. Oh, et déjà, la qualité des yeux de l'end. Boum. On met les deux derniers. Oh, nous voilà arrivés. Oh, il y a des genres d'aurores boréales tout autour de l'aide. Attendez, attendez. Ok, ok, je l'entends, je l'entends. Attention, 3, 2, 1. Waouh, regardez-moi ces ailes. Regardez-moi tourne même ça. Waouh. Et par contre, non mais attendez, trop classe quand on casse les yeux de l'aide là. Oh, il est là. Non mais regardez-moi là. Non mais attendez, waouh. Wouhouhou! Allez, c'est le moment de la finir. Oh, j'ai trop hâte de voir là quand son cadavre il va dropper. Mais je commence à faire un truc trop stylé. Mmh. Allez, il nous reste plus qu'une self de coup à mettre. Oh bah tiens, justement c'est le moment. Attention, oh là là, alors là, par contre c'est pas le moment de mourir. Oh là là, j'ai plus beaucoup de vie. Allez, allez, oui. Oh, oh, regardez. Oh là là, oh le cadavre de l'Ender Dragon. L'XP comme ça qui jaillit. Et le magnifique œuf de l'Ender Dragon qui brille de toutes parts, qui se reflète sur les blocs à côté et même sur mon armure. Oh, franchement, cette vidéo était exceptionnelle. Le niveau de réalisme qu'on a atteint, c'est un truc de fou malade. Donc, si la vidéo vous a plu et que vous voulez encore plus de trucs réalistes, dites-le en commentaire et surtout, abonnez-vous, c'est très très important.